et file. Voilà l'ordre que je lui donne. C'est de filer. Fanta. Hey. Non. Allez, viens. Viens là. Ouais, viens. Je sais pas si vous avez vu le message. Voilà. Fanta. Ah si. Viens. Au pied. Ouais, bien. Voilà. Fanta. Voilà. Là, on va essayer de faire une autre expérience. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de monde là au fond. Voilà. Donc, je vais vous montrer comme quoi il dit rien à personne. Quoi. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas un chien qui viendra m'emmerder pendant cet exercice. Parce que elle, pas de soucis, mais c'est des chien qui, des fois, sont pas commandes parce que les maîtres, ils ne savent pas les tenir en laisse. Hop. Alors je vais vous montrer un peu. Parce qu'on est pas là, voilà. Fanta, viens ici. Ah si. Fanta. Ah si. Pas bouger. Voilà. Voilà. Si je vise bien par là, ça devrait être Maze. Que nous appelons, ça c'est la côte de Bouzigue, voilà, en 7, et par là c'est voilà, les bains, et voilà, il y a du passage, peut-être qu'on va aller, et file, Fanta, non, par là, hey, ouais, voilà, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on reste toujours ce coin-là. Il doit avoir des bonnes odeurs, comme on dit, hein, pour le chien. Fanta, allez! Fais! Ouais! Non! Viens ici! Ouais, bien! Allez, Fanta! Voilà, là vous verrez. Voilà. Et voilà, une fois de plus, comme vous avez pu le voir, il y a eu une dame qui est passée, elle a rien dit, fofo. Alors, même pas prêté attention. Panta! Au pied! Assis! Bien. Là, je l'attache parce que je voudrais voir ce qu'il y a derrière. La tente. Si jamais. Je prends juste des précautions. Hop, voilà. Voilà, une fois, il est tenu en laisse. Là, je lui dis rien parce que j'estime que. En fait, je fais la différence avec les certains colliers que j'emploie. Ce collier là j'estime que c'est pas pour la marche au pied, même si des fois je le dis, mais c'est pas pour les ordres. Voilà. J'utilise le suivi en chaîne pour les ordres. Voilà, ben voilà, Bouzigue a commencé aux heures de repas. Plus ou moins.
Et voilà, on revient au point de départ. Allez, route. Ah si, il faut le temps. Voilà, c'est bien. Bonjour. Je vais rester en place. Hop, je vais mon sac à dos en même temps. Parce que bon, voilà. Malgré qu'il y a du vent, et maintenant il fait quand même un peu chaud. Ah, oui, c'est pas ça. Donc, je vais lui donner à boire, parce que nous avons pris à boire quand même. Mais avant, je vais vous montrer comment filer dans l'eau. Et les conseils sont les bienvenus pour lui apprendre à nager à son champ et en autant que moi, nette pour l'eau, j'aime pas la mer. La mer, c'est qu'on veut. C'est mon petit langage, mais pour moi, la mer n'est plus la mer qu'il y avait quelques années en arrière. Voilà. Donc, on va aller à la mer. Enfin, on va la faire venir, Fofo, on va se baigner? Allez, viens. Hop, allez. Hop, pardon. Voilà. Bon, en sachant qu'elle a déjà été une fois, hein, donc je sais pas si elle voudra aller. Oups. Allez, file. Tiens, Fofo, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Fonta, va chercher. Hé, ouais, en fait, elle va pas nager. Elle va toujours les bords. Voilà, là elle a pris le chemin, vous voyez, voilà, et voilà. On va essayer de tremper le museau. Non, elle va pas plus loin. Enfin, elle va pas plus loin. Du moment qu'elle a plus le pied, qu'elle sent qu'elle n'aura pas plus le pied, ben voilà, ça va. Voilà. Le pied, plus pâte comme on veut. Non, pas toucher. Bien. Fonta, tiens. Voilà. Voilà. Alors, c'est comme si elle avait une marée. Voilà. Alors, tous les bons conseils sont les bienvenus. Comme je vous disais tout à l'heure, sans me dire que je dois aller à l'eau, parce que... Voilà. Non, Fonta. Voilà, ben sur ce, pour devant, je vais vous laisser. Voilà, et on vous souhaite une bonne après-midi. Et à bientôt. Bye bye les amis.